Une nouvelle vidéo, c'est parti pour un Marseille contre Caen. Contre Caen. Contre le Stade Malherbe de Caen. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Coucou Grégoire et merci à vous qui nous retrouvez pour ce match. Merci. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Sakai. Thauvin. Allez, hop, premier but. Et la tête. Il peut récupérer. Allez, premier but de Marseille. Le but pour l'Olympique de Marseille. Hop, premier but de Marseille. Déjà. Ça fait très mal. On vient juste de commencer, il y a déjà but. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Quelle passe. Il glisse le ballon en profondeur. La bonne passe. Et un but. Oh merde, non. Et pourtant, c'était un caviar au départ. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Bonne intervention. Payet. Il choisit là-bas, sur l'aile. Oui. Cours, Germain, cours. Germain reçoit le ballon. Lucas Ocampos. De la tête. Oh, c'est un arrêt important, ça. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Ça peut aller au bout. Il la tente. Ça manque un peu de solution. Luis Gustavo. Rodelin. La faute est sifflée. Oula, faute. Luis Gustavo. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Alors là, si Germain l'attrape. La passe dans la profondeur. Oui, il y a faute là. Oui, faute et coup franc à venir. L'Olympique de Marseille qui compte maintenant deux joueurs avertis. Le gardien loin devant. Germain part directement dans l'axe. Dans la surface. Oh. L'Olympique de Marseille est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Boum. Il choisit la profondeur. Gilbert, il y a de l'espace. Payet. Il joue dans l'espace. Et il n'arrive pas à se rapprocher. Ouverture vers le poteau de corner. Il tente de la jouer dans l'espace. Gilbert. Ouh. Joli tacle. Oh, je crois qu'il y avait faute. C'était engagé, mais pas de faute. Ouais, alors, là. Dommage, c'est intercepté. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Non. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Oh, go, go. Boum. C'est joué long, attention. Lucas Ocampos.
Il y a peut-être un coup à jouer. Lucas Ocampos. Et ce ballon devant le but. Le ballon s'en touche. Et un contact qui n'était putain, pas putain, comment il s'est jeté? Attends, je vais voir comment il s'est jeté. C'est un 360. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Il va falloir qu'il se maîtrise un peu mieux parce qu'il reste encore du temps dans ce match. Bien joué ce tacle. Oui, oh. Il y avait bien faute. Arrête sur plus. Oh. L'Olympique de Marseille qui a désormais 3 joueurs avertis. Dans la profondeur. Il joue dans l'espace. Jolie passe lobée. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Oh putain, j'ai eu peur de voir qu'il est tombé. C'était un bon pressing. Il glisse le ballon en profondeur. Quelle fait du bien cette interception. Non, il n'a pas joué le ballon là. Ouais, mais là. Sakai qui se fait exclure. Quoi ? Mauvaise nouvelle pour l'ensemble de l'équipe. L'Olympique de Marseille qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Et ce ballon sur l'aile. Oh, le bon contrôle. Le bon dribble. Oh, l'occasion. Il concède un coup franc. Putain, mais je fais que des tacles, j'aime bien. Il devrait faire attention, les cartons commencent à s'accumuler. Dans ce qu'on pose, il avait pas un carton jaune. Le long dégagement du gardien. Thauvin. Il tente de la jouer dans l'espace. Alors, que va-t-il faire? Il choisit là-bas, sur l'aile. Oh. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Il met la tête. Et le but. Ils creusent l'écart, ils ont maintenant 2 buts d'avance. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. La tête. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Oh, c'était pas loin. C'est un... L'arbitre siffle une faute. Lucas Ocampos qui s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Oh merde! Non! Allez hop, Lucas Ocampos, au revoir. Lucas Ocampos qui complique vraiment la tâche de ses coéquipiers avec cette exclusion. Il s'en était bien sorti la dernière fois, mais là l'arbitre n'avait pas d'autre choix que de sortir un carton. Et ouais, genre, cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous mettre un like, à commenter, voilà, partager. Et sinon, je vous dis ciao, bye bye.